Pour ce qui est de la feuille distance, on va basculer donc sur l'autre feuille de calcul et on va regarder l'exercice. On voit donc la distance de chacune des villes de la ville de Saint-Malo. Donc Saint-Malo est à 82 km de Rennes, 107 de Nantes, 133 de Niort et 69 km de Saintes. Ce que je voudrais faire, c'est retourner le tableau afin que les villes ne soient pas organisées dans des colonnes B, C, D, E, F, mais qu'elles soient organisées en ligne. Donc comment faire pour retourner le tableau, ou plutôt pour transposer le tableau? En fait, c'est un copier-coller. Je vais sélectionner les données. Je vais cliquer sur le bouton copier. Attention, chose importante, je vais me positionner à l'endroit où je veux dupliquer le tableau. Je ne peux absolument pas le faire au même endroit. Et une fois donc que je me suis positionné sur la cellule I1, je vais faire un collage spécial, c'est-à-dire que je vais ouvrir le menu coller et dans coller, je vais aller sur la deuxième ligne, prendre le dernier bouton qui s'appelle transposer. Transposer, c'est retourner. Voilà, j'ai maintenant deux tableaux, l'un organisé en colonne, l'autre organisé en ligne. Si je ne veux conserver que ce tableau-là, je n'ai plus qu'à sélectionner les colonnes H à A ou G à A et à les supprimer. Clic droit, supprimer. Il ne me reste donc maintenant plus que ce tableau-là.